Yo, salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui une nouvelle dénonciation d'arnaque, cette fois-ci un Jules Mercier niveau 4. Quand je vais vous expliquer, vous allez voir toutes les similitudes avec les autres brokers, les autres traders qui vous ont tout simplement arnaqué. Je vous mets en garde tout simplement parce qu'encore aujourd'hui j'ai été témoin d'une arnaque plus grosse que les autres, ça en l'occurrence, et où? Sur Instagram. Donc comme je l'avais déjà expliqué, malheureusement les publicités que l'on rencontre sur Instagram sont des publicités pour la plupart mensongères. Et pourquoi ils publient ça? C'est tout simplement parce que c'est de la pub gratuite. En l'occurrence, ces brokers là, ces personnes qui vont vous arnaquer ne sont pas sur le territoire français, comme je l'avais déjà expliqué dans les vidéos que vous retrouverez en haut. Et en plus, ce sont des personnes qui vont vous faire croire que vous allez gagner un maximum d'argent avec ceci. En l'occurrence, il n'en est rien. Sachez que c'est purement et simplement de l'arnaque, de l'abus de confiance, et ces personnes-là vont vous, littéralement vous vider. Donc cette vidéo est un but préventif, bien sûr, mais aussi pour vous faire comprendre qu'il ne faut pas être ignorant. Beaucoup vont venir vers vous, vous disant que le cours actuel de la crypto-monnaie est en train d'augmenter, mais si on se renseigne un minimum et qu'on regarde le taux du marché actuel, la crypto est en train de descendre sévèrement. Elle a pris une grosse claque dans la tête, c'est le cas de le dire. À ce jour, les vidéos de ce type-là, je vais vous en faire beaucoup plus, tout simplement parce que ces personnes-là vont vous faire croire, comme je l'expliquais, qu'ils vont vous faire gagner un maximum d'argent, mais il n'en est vraiment rien, et pire encore, ils vont littéralement vous vider. Plus d'une fois, j'ai eu le coup, plus d'une fois, j'ai eu des personnes qui sont venues me voir, et outre le fait du système pyramidal, comme je l'avais déjà expliqué, il y a eu de l'abus de confiance. L'abus de confiance, pour le coup, il est vraiment concret, et les personnes se sont littéralement fait avoir. Malheureusement, sachez une chose, c'est que légalement, ce sont des personnes qui sont hors territoire, donc ils sont non extradables et qui plus est ne seront jamais attrapés. Qui plus est, vous, en tant que trader, en tant qu'apprenti trader, vous avez la possibilité de vous faire rembourser. Il existe à ce jour, depuis peu, une nouvelle circulaire qui est rentrée en compte, qui dit clairement que quand il y a de l'abus de confiance ou qu'il y a une fraude détectée sur votre compte bancaire, vous pourrez vous faire rembourser. Et tout ça, c'est un système hyper simple, il vous suffit tout simplement d'appeler votre banque et de faire valoir tout simplement cette fraude en expliquant que vous êtes rentré dans le trading, que les actions que vous avez menées ont été en tant qu'abus de confiance, et ces personnes-là, littéralement, non seulement vont se faire retracer par le service de la cybercriminalité et où potentiellement ils n'auront absolument rien, puisque comme je l'ai expliqué, hors territoire, c'est extrêmement compliqué pour les ravoir. Mais vous allez être remboursé, sachez-le. C'est un truc super simple à faire, il vous suffit tout simplement d'appeler votre banque et d'aller à la gendarmerie faire un dépôt de plainte. Beaucoup se sont fait avoir, et ces personnes-là, en l'occurrence, eux, n'ont absolument rien, si ce n'est se faire un maximum d'argent. Bref, comme je l'avais déjà expliqué, là c'est une dénonciation par rapport à ce type-là, mais sachant une chose, c'est que prochainement, il y en aura d'autres, et encore d'autres, et encore d'autres. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Bref, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et faire tourner l'information. Regardez dans les playlists, il y a certainement des traders, des brokers que vous connaissez et où vous avez déjà testé ou pas encore testé et que vous envisagez de faire. Renseignez-vous avant de trade. Merci à tous, bye bye tout le monde.